L'histoire du château La Courolle est très liée à l'histoire de ma famille. C'est mon arrière-grand-père qui a planté les premières vignes en 1920. En 1955, c'est au tour de mon père de prendre la succession du sien et de développer fortement l'activité pépinière viticole. La partie pépinière viticole nous permet d'avoir une grande maîtrise sur l'exploitation parce qu'on fabrique nos propres pieds de vigne, on les plante et bien évidemment on récolte le fruit de notre travail. Maintenant, on s'intéresse énormément à la production bouteille, où l'on commercialise à peu près 80 000 bouteilles qu'on exporte à 80% dans le monde. Le château La Courolle est produit sur le plateau argilo-calcaire de Montagne-Saint-Émilion. C'est un vin produit en famille, un vin de passionné, rond, souple, avec une très belle couleur, un vin généreux, un vin qui nous ressemble tout simplement.